Merci, Monsieur le Président, et merci à Monsieur le Commissaire pour sa présence. Les week-ends derniers, les écologistes de ce Parlement ont publié un rapport sur les pratiques d'optimisation fiscale d'IKEA. En l'état actuel, et malgré un accès limité aux informations financières du groupe, nous avons pu estimer le manque à gagner pour les contribuables européens à 1 milliard d'euros pour 6 ans. Au cœur du kit de montage fiscal, plusieurs failles encouragées par certains États membres. Bien que le paquet fiscal que vous avez proposé fin janvier constitue une étape importante, il ne semble pas supprimer toutes les astuces fiscales que les grandes entreprises comme IKEA utilisent. Madame Joly, je voudrais commencer par vous remercier, remercier les Verts pour ce rapport. Si, bien entendu, après un examen plus détaillé, il s'avérait que certains phénomènes soulevés dans ce rapport n'étaient pas pleinement couverts, il serait de notre responsabilité, de la mienne, de définir les moyens permettant d'améliorer encore les instruments nécessaires pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable et la planification fiscale agressive. Et merci pour ce rapport qui est utile.